Yo, salut tout le monde, c'est Toxor les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année 2015. La santé, c'est le principal. En parlant de santé, mon catcheur, il se porte bien, on dirait, franchement, il se porte plutôt bien. On va donc enchaîner les matchs et peut-être même les histoires, parce que rappelez-vous, j'ai décidé d'affronter John Cena dans le prochain pay-per-view. Donc, on va voir. J'avais fait équipe avec Randy Orton dernièrement. C'est un bon choix. C'est d'accord pour moi. Je te veux au top. Alors, prends la semaine pour te reposer. Je serai ravi de t'affronter. J'espère que tu vas faire un bon match. Mais je te préviens, je te ferai pas de cadeau. Si tu donnes pas à 200%, tu risques de finir sur le dos. Sur le dos en moins de 2 minutes. D'accord. En moins de 2 minutes, pardon. Ok, j'avais pas bien lu. Petite semaine de repos avant d'affronter John Cena. Hell in a Cell. Ce sera pas un match dans une cage, je pense pas. Mais en tout cas, c'est le gros match. Le gros, gros match de cette vidéo. Je pense, les amis, on attaque direct. Direct contre John Cena. You can see me. Tu vois ce que je veux dire? Never give up. Il abandonne jamais. Ok, on est parti. Je vais le faire à un moment donné. Le but, faire abandonner John Cena. Voilà. On va pas se fixer des objectifs minimes. Comme ça. Hein? Maman. John Cena. Non. Regardez-moi ça, John Cena. Le champ is here. Voilà, je l'enchaîne, le champ. Voilà, la première droite, c'est moi qui l'aimais. Voilà, comme ça qu'on fait, cousin. Voilà, c'est moi qui ai enclenché les hostilités contre John Cena. J'ai fait une grosse erreur, tu vois ce que je veux dire. Je suis tombé en dehors du ring. C'est pas très grave, c'est pas très grave, on va se refaire la santé. On remonte sur le ring s'il veut bien, il veut pas. Ouf, la lutesse blesse. De John Cena, John Cena, John Cinette, comme vous voulez, la John Cena, la John Cinette, la petite levrette. Ouf. Voilà, il est à 5, à 4 arbitres. Je remonte sur le tablier, je lui découpe la mâchoire avec ma cuisse, petite cuisse de poulet. On va voir là-bas si j'y suis. Il me contre le bougre. Gros match, les amis, gros match. Voilà, petite manchette portale européenne au calme, histoire de montrer ce qu'il patron. Tu vois ce que je veux dire, Johnny? Allez, c'est trouvé le bon timing. On l'a parfaitement. Vous êtes fan de cette série, hein. Vous êtes fan de cette série, les amis. Je suis très content que vous soyez fan de cette série. Je la kiffe, cette série. Et je suis pas pressé qu'elle finisse. Honnêtement, je suis pas pressé qu'elle finisse. No spoil dans les commentaires, s'il vous plaît, ne me dites pas quand c'est qu'elle va terminer. De toute façon, je suis au bout. De toute façon, c'est la dernière vidéo, peut-être. J'en sais rien du tout. Je ne pense pas. En tout cas, je ne suis pas pressé qu'elle termine. Mais quand elle sera terminée, j'ai une surprise pour vous. Ça ne sera pas la fin du vidéo de catch. Je prépare des vidéos de catch, les amis. De dingue, de ouf. Un maximum de pouces bleus si vous voulez que je vous dise dans les prochains épisodes de quoi il s'agit. Ouf. Je vous le dirai un petit peu également sur Twitter. Faut me suivre sur Twitter pour savoir un petit peu ce qui va se passer dans les mois à venir également. Avec cette série, hein, qui a pas tardé à terminer, je pense. Mais il y aura également pas une suite à proprement dit. Mais on va dire, il y aura des vidéos de catch. On va dire un peu plus dans mon univers. Mais pas comme avant. J'ai une autre. Petite série à inventer là d'ici peu. On verra comment ça sortira. Je suis assez pressé de vous la présenter. Je catch comme une merde pour l'instant. John Cena, il me domine allègrement. Il a 91 de momentum. Je suis à 65. Faut augmenter tout ça. Hein. Franchement, j'ai pas le choix. Il me contre beaucoup quand même, le bougre. Il a son spécial, hein. Attention. J'ai pas voulu faire ça. David, moi j'ai pas voulu faire ça. Voilà, on reprend un petit peu nos émotions dehors du ring. On ne s'énerve pas, on ne s'excite pas. Oh, l'escalier. John Cena a mangé
un escalier. À souplesse, qui fait du bien dehors du ring comme ça. Alors lève-toi mon petit Johnny. Voilà. Allez, je remonte sur le ring. Voilà. Je porte une petite souplesse comme ça. Et j'ai mon spécial. Attention, j'ai mon spécial, les amis. The special is here. Donc désolé si dans les vidéos précédentes, il y a eu des problèmes de son. C'est vraiment été trop forte. J'ai eu un problème avec mon micro qui s'était déréglé. J'y suis pour rien. J'y suis absolument pour rien. Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans le bazar de l'infini et de l'au-delà. Mais le micro, au lieu d'être sur 6, il était sur 14. Donc dès que je parlais un peu trop fort, c'était terminé. Voilà, comme Johnny. Johnny, il est terminé. On va faire un tombé sur Johnny. Et 1, et 2, et tout. Voilà, reste au sol, cousin. Non. Je suis une tapette, hein. Je tiens à vous le dire. C'est mon let's play, je fais ce que je veux. Voilà. Il me contre. Voilà. Et à comprendre la douleur, ce qui a lui arrivé bientôt là. Tiens. This is awesome. Voilà, allez. On a dit de se faire abandonner l'objectif de la vidéo, hein. Ça va peut-être pas être possible. Je veux pas faire le mec super fort, etc. Loin de là. Je suis foutu. Officiellement, je suis terminé. Le you can see me, motherfucker. You can see me. Oh, et le fave. Knuckle shuffle. Le tombé suivi. Oh. Enculé. Enculé. J'ai pas contré. Enculé. Enculé, je suis mort. Oh. Damn. Je suis trop nul en mode légendaire. Ah là là, bah ouais, faire le malin, affronter John Cena. Voilà ce qu'il, voilà ce qu'on récolte. Voilà ce qu'on récolte. On récolte la merde. Ah, motherfucker. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, en même temps, j'ai joué comme une merde. C'est mon premier match de la journée. Je suis un peu fatigué. J'ai joué comme un Somalien. Voilà. Et j'ai rien contre la Somalie. Il est content, il a gagné. Ok, d'accord. Il m'a niqué. Très bien, il n'y a pas de problème. J'accepte ma défaite. On se retrouvera. Arrête de faire ton signe militaire comme ça, là. Arrête de faire le mec Action Man, là. Je vais te retrouver, je vais te plumer, John Cena. J'ai perdu mon match, donc voilà, officiellement. Bon. Le match n'était pas épique, hein. Loin de là, hein. Franchement. Ok, Triple H est déçu. Ce qui peut se comprendre en même temps. Bon. Moi, j'ai un match revanche contre John Cena. J'ai fait le malin. Et j'ai fait le malin, j'ai voulu. Faire abandonner. Oh, voilà, match préparatoire contre Daniel Ryan, on va mettre sa rouste. J'ai voulu affronter The Champ, Johnny. Je me suis fait carotter. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Moi le premier. Je vais affronter Daniel Bryan tout de même. Match revanche, rappelez-vous. D'Elimination Chamber, me semble-t-il. On va lui montrer un peu ce qu'il patron depuis la dernière fois. J'ai progressé tout de même. Voilà, je lui ai écrasé sa face de singe. Ok, ma contrée. Très bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable réveillon du nouvel an, les amis. Très important, la nouvelle année. Même si je n'en ai un peu rien à foutre, hein, personnellement.
Moi, je suis pas trop le genre de personne à faire le nouvel an. Je n'aime pas trop ça. Je suis pas spécialement fan. Pour moi, c'est un jour comme un autre. Hein. Mais bon, voilà, c'est la tradition. On se plie un petit peu au traditionnisme de la France, du monde entier, je dirais même. Allez, tu manges, je rentre, tu sors. T'es une petite pute, Daniel Bryan. Tiens, tu vois, j'ai déjà plus d'endurance, mais c'est quoi ce bordel? Mon endurance descend extrêmement vite. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi l'endurance que j'ai est si basse ces temps-ci. J'enchaîne trop les matchs, que se passe-t-il? Je n'en sais rien. Je sais pas, franchement je ne peux pas vous dire, à vous de me le dire. Vous savez beaucoup de choses. Voilà, des patates. Mais c'est vrai que mon endurance est déjà très basse, n'empêche. Le match a commencé à l'instant. Je suis déjà avec une barre violette. Je ne comprends pas, je vais appeler le docteur. Docteur Wouf. Boum, boum, boum. Ok. Je te mets d'accord tout de suite, Daniel. Tu me fatigues. Tiens, je t'ai baisé. Ok, il m'a retourné le bras. Et il m'a retourné au sol. Pourquoi j'ai qu'une petite barre comme ça? J'ai pas un micro-pénis pourtant, mais j'ai une petite barre. Je ne comprends pas. Je n'ose pas courir, je n'ose pas enchaîner. Sous peine d'être fatigué trop vite. Regardez, c'est même pas 2 minutes je suis dans le match, j'ai du mal à monter sur la troisième corde quoi. Ok, j'ai fait n'importe quoi. Je m'en excuse auprès de la société actuelle. J'ai fait le malin, je fais le malin. Il faut pas que je fasse le malin trop longtemps parce que c'est quand même Daniel Bryan. Hein. Il m'a battu, rappelez-vous. Oh la German souplex et moi je m'en vais m'encastrer complètement les cordes. Oh là, je lui ai exquinté le visage. Il n'y a pas à dire, le mec il s'est torché. Je vais lui régler son cas, lui. Je vais lui régler son cas. Assurez-vous, on est là. Ok, il m'a contré. Oh, le coup de genou. Fucking coup de genou. Je suis un peu cuit, franchement, là. Voilà, petite droite comme ça, ça va tout de suite te mettre au calme. Il est en revanche, il est en revanche et moi je suis cuit, 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 cuit comme un petit oiseau que je suis. Voilà, je l'empêche, hein, je l'empêche les amis, je l'empêche de faire ce qu'il veut avec son corps de faible, si je puis dire. Relève-toi Daniel. Relève-toi, le score bombe. Le score bombe la dernière fois, ça n'avait pas fonctionné comme il fallait contre lui. On verra si là. Allez, 1, 2, 3, voilà. Voilà les amis, ça se passe comme ça normalement les matchs avec moi. Un twist of fate, un score bombe, c'est terminé. On n'en parle plus, le match est fini. Il a voulu faire le malin, John Cena. Je le rencontrerai une prochaine fois, ce n'est pas un problème en soi. Je lui réglerai son cas. Rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Alors, comment ça se passe, tout ça? Match excellent. 2736 points à dépenser. On va essayer de les dépenser, hein, rassurez-vous. On va dépenser tout ça. Allez. Temps de chargement toujours très longué. Hein. Un peu déçu de cette génération de consoles où les jeux sont très très mal optimisés. Hein. Les temps de chargement sont de l'ordre de l'infini. Ça me désole un petit peu. Amélioration. Que puis-je faire? Momentum. Ouais, je peux augmenter momentum. Mais bon, c'est l'endurance surtout moi qui me fait un peu peur. N'est-il pas? Augmenter un peu momentum. Allez, c'est pas grave. On a que ça à foutre par quoi. Hein. Voilà. Ça m'embête un petit peu. Hein. J'ai hâte de voir le prochain match si ma barre d'énergie est basse ou pas. J'ai peur d'enchaîner trop vite les matchs. Hein.
Un match préparatoire contre Curtis Axel, ça ne fait de mal à personne, n'est-il pas, les amis? Donc j'ai eu ma revanche contre Daniel Bryan. Certes, dans un show SmackDown, mais, parce qu'il y a toujours un mais généralement, je l'ai battu. Donc ça, c'est une bonne chose. J'ai toutes mes barres d'énergie, je ne comprends pas. Je regarderai donc le replay, la VOD de ce moment où je joue. Pourquoi j'ai été handicapé de la sorte avec ma barre d'énergie aussi vite dans le match? Peut-être que Daniel Bryan m'a sucé l'énergie. Je ne sais pas si Bryan est homosexuel, je ne pense pas. Il est une femme tout à fait charmante. Mais on verra. Ah, le coup de genou qui fait toujours assez plaisir. Momentum est déjà monté vite. Regardez, je suis à 31 avec 4 petits coups. À 38,6 maintenant. Je trouve que ça monte plutôt vite. J'espère que vous vous régalez avec ce let's play. En tout cas, moi je me régale à vous le faire. Il n'y a pas de souci. Je suis toujours très enthousiaste à faire un épisode. Et en plus, à chaque fois que je tourne, je me dis, bah, vas-y, est-ce que j'en tourne 1, 2, 3 épisodes? Je sais pas. En fait, j'en tourne un par jour presque, un épisode, pour vous le dire. Et en fait, je me force à tourner un par jour. Enfin, je me force. Attendez, je me force dans le sens où j'aimerais en tourner 15 de suite. Mais je me dis, faut pas, tu vas perdre un petit peu le rythme. Et vaut mieux que t'en tournes un par jour et qu'il soit bon, que tu sois excellent pendant 30 minutes, ce bordel de merde, que faire 15 épisodes et entre les 14 et 15, vous ressentez une petite faiblesse de ma part. Voilà, je préfère être à 100% à chaque épisode et j'ai déjà un momentum à 111, ça monte très vite. Donc Curtis Axel, ça va être bâclé. Je kiffe son slip hein, avec les axes, comme on dit chez nous. Les axes qui font en forme de X. Je trouve ça trop classe. Powerbomb, voilà, ou plutôt scorebomb. On termine le match. 1, 2 et 3. C'est fini. Je l'avais dit que ça allait être très rapide. On va enchaîner les matchs. On verra où ça va nous mener, tout ça, j'en sais absolument rien. Mais voilà. J'ai l'impression, c'est un petit peu comme dans les Resident Evil, ceux qui suivent un petit peu les speedruns de Resident Evil, etc. On a plus de temps de chargement que de jeu. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, tellement j'enchaîne les matchs assez rapidement. Je vais encore augmenter le momentum si je peux, parce que je vois que ça a une très très bonne influence sur mon personnage. Dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Allez. Temps de chargement de l'infini. Ok. Tiens, Cesaro qui était challenger numéro 1 pour le titre de la WWE. Eh ben dis donc, ça change. Hein. Les années changent. J'ai 1000 points. Je peux peut-être mettre un petit point momentum. Voilà. Et je vais continuer là-dedans. Parfait. Parfait. Parfait, voilà, c'est parfait, bordel, c'est parfait. Bon, les amis, 86, on est en 2018, bordel de merde, ça avance vite, ça fait 3 ans que je suis à la WWE, j'ai toujours pas gagné un seul putain de titre majeur, à part le titre NXT, mais il compte pas. Toujours rien à me proposer, ils me font vraiment tourner. Allez, je sais que vous êtes tous fans de Roman Reigns, je suis obligé d'affronter Roman Reigns. Rappelez-vous, la dernière fois que j'ai rencontré Roman Reigns, il y a eu une malheureuse chaise. Une chaise entre lui et moi. Une chaise qui est venue lui fracasser le crâne et me faire disqualifier par la même occasion. Donc là, ce soir, c'est le match revanche contre Roman. Summon the Lock, ok. Bitch, tu te fous pas de ma gueule, hein. Tu te fous pas de ma gueule. Comment tu m'attaques comme ça là? Petite saloperie de Roman Reigns. Non, je kiffe, franchement c'est un de mes catcheurs. Pas mon catcheur préféré, mais c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Que moi je respecte énormément. Donc je ne vais pas l'insulter. Je l'aime beaucoup. Oh le STO, il met tout le monde d'accord direct. Hein. Le mec il est posé. Il va me baiser. Ok. Laisse-moi tranquille. Tu vas me laisser tranquille. S'il te plaît, Roman Reigns. Ok, il m'enchaîne bien quand même le bougre. Il m'empêche... Allez, voilà, Spinebuster pour commencer.
C'est le premier coup que je lui mets dans le match, il a déjà 31,9 en momentum. Ça augmente vite le momentum, hein, bordel. Allez, attaque-le pendant qu'il est encore au sol. Voilà, on lui met des patates comme ça. Le monde sait qui le patron. Voilà, le big motherfucking foot dans sa petite face. Il est beau gosse, il est beau gosse. Roman Reigns, il est beau gosse. C'est vrai que... Pour vous dire un tube, ma femme, elle aime bien. Elle aime bien son physique. Hein. Je vous dis tout de suite, je pense que je serais pas là. Elle serait là Roman Reigns direct. Hein. Mais malheureusement, je suis là. C'est triste pour toi, ma chérie. Allez. Hop, voilà. D'ailleurs, j'ai vu un petit commentaire la fois dernière. Une personne me disait, Oxor, on n'a jamais vu ta tête. Ma tête, vous pouvez la voir dans plusieurs vidéos hein, sur ma chaîne. Il suffit de regarder un petit peu. D'ailleurs, la FAQ des 20 000 abonnés, où je montre mon visage, mon petit minois. Donc voilà, ceux qui ne disent que j'ai jamais montré ma tête, vous ne suivez pas ma chaîne correctement. Oh là, l'atomique de l'op. Allez, relève-toi, on a rien à foutre là. Ok, moi je voulais pas me tomber par contre. Oh là là, le coup de la corde à nage porté à la motherfucking volée. Il m'enchaîne avec des droites. Il me laisse pas me relever. Allez, je vais lui montrer un petit peu comment je me chauffe moi. Ok, il a pas voulu. Trop tôt. J'ai pas eu de chance, j'ai un petit peu trop anticipé. Ce n'est pas grave. J'ai mon twist hein, qui est prêt de toute façon. Voilà. Terminé, bitch. Je te finis avec le score bomb. Tout de suite là. Je n'attends pas, j'attends même pas que tu te relèves. C'est moi qui te relève. Voilà, score bomb. C'est fini. En tout cas, merci à l'abonné qui a dit ce ton là. Et 1, 2 et 3. Oh, dégagement de Roman Reigns. Ok. Il n'y a pas de souci. Il a raté son punch. Hein. Il a raté son punch, les amis. Son coup de poing de Superman. Ou son Superman punch, voilà, c'est ça. Cherchez le nom. Ok, le coup de pied. Ok, c'est bon. Je l'ai contré, son spécial, les amis, c'était terminé pour lui, c'est sûr. Là, c'est bon, là, on l'a. 1, 2, 3, voilà, c'est bon, les amis, c'est bon. On a battu Roman Reigns. Je pense que le match va être bien classé, parce que franchement, il y a eu de l'action du tout du long, là. J'ai esquivé son spécial, tout ça. À mon avis, il y a moyen de faire quelques petits points sur ce match. Après, c'était un dark match. Donc on va doubler les points forcément, mais il y aura peut-être moins de répercussions télévisées par contre. Donc moins d'abonnés. Un peu plus dommage, on va dire. Mais bon, au moins on a doublé les points, ce qui est pas mal. Excellent, ok, c'est tout. C'est mis du foutage de gueule. Très bien. On s'est fait pisser dessus, c'est pas grave, on a l'habitude. On s'est même pissé dessus par les temps de chargement. C'est ça le pire dans ce jeu. Autant quand on quitte le jeu, je trouve que c'est rapide. Oh là là, attendez. J'ai un peu peur de ce qui va se passer là. J'ai un peu peur de ce qui va se passer. Je crois avoir vu Roman Reigns. Pas Roman Reigns, pardon. L'autre là, le Suisse champion, me semble-t-il. Ça me fait un peu peur. On va regarder un petit peu les infos. Sur l'iPad. Cesaro Batista. Dans un match Iron Man pour le titre de la WWE. D'accord, ok. J'ai pas le choix, j'affronte Daniel Bryan. On ne m'offre pas ce choix, si vous voulez. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, tant pis, c'est pas très grave. On affrontera Daniel Bryan pour la deuxième fois et la troisième fois de ma carrière. Ok, ma contrée déjà. On essaie de montrer un petit peu c'est qui le patron quand même. C'est des épreuves de force comme ça, j'aime bien. Moi je suis très friand de ces épreuves de force. Nobody
Il aime bien m'enchaîner. Aïe! Daniel Bryan, s'il te plaît. Écoute-moi bien. Voilà, tu vois. Hop. Je te redomine tout de suite. Petit étranglement, voilà, c'est parfait. C'est bien joué là. Mais il me contre à chaque fois cette prise. Oh là là, je suis une merde. Ah, toujours trop tard. Et franchement, le mode où je suis là, c'est pas évident. Hein. Je vous dis tout de suite, mode légende là. J'en chie des masses des fois. Il suffit que je sois pas dans le move. Il s'est totalement chié dessus en fait, Daniel. Ok, il me contre à chaque fois. Je ne peux rien faire. C'est la liberté d'expression, monsieur. Il est en train de me dominer, les amis. Je vous raconte même pas les bails. Je vous raconte même pas l'histoire dans laquelle je suis là. Il m'enchaîne super vite. Bon, on va essayer de revenir dans le match doucement parce que franchement là je suis un petit peu en danger et j'aime pas du tout être en danger, surtout qu'on a Daniel Bryan. Il est quand même plus petit que moi, merde, moins costaud, tout ça. Allez, prends le par derrière, j'aime bien prendre les gens par derrière. Voilà, petite souplesse comme ça, la baraka. Un spinebuster, histoire de l'envoyer un petit peu sur la lune. Voilà, je lui ai montré c'est qui le patron là, 6 coups comme ça là. J'ai un fusil moi. Allez, le twist. Bim. Bim bam boum, mes amis, c'est comme ça. Je charge mon finisher et je vais essayer d'en terminer avec Daniel. Je l'appelle Daniel à part son prénom, je suis comme ça moi. Boum, voilà, terminé, je pense. Ou pas. Je vais tomber maintenant, allez, arbitre, tout de suite. 1, 2, 3, dégagement, ok. Il s'est dégagé, le bougre. Il m'a contré, très bien. Ok, j'ai pas pu... Ok, d'accord, très bien. Il m'a niqué. Il m'a eu, c'est pas grave. Je l'ai contré, c'est bon. On va essayer de descendre d'une façon ou d'une autre. Parce que là, j'en peux plus. La superplex de la troisième corde, des amis. C'est parti, mon kiki. Voilà. Allez, on enchaîne avec un tombé tout de suite. On n'attend pas. 1, 2, 3. Oh, dégagement. Ok, d'accord, ok. Il veut la jouer comme ça, Daniel. Oh là, encore une souplesse. J'ai peur, les amis. J'ai peur de ce qu'il va me faire. Oh là là, je m'en doutais qu'il allait faire un truc de merde comme ça. Et à son finish en plus. Je m'énerve, je m'excite un peu là. Je casse la table. Quand je suis énervé, je casse la table des commentateurs. Je suis comme ça, moi. Je suis un mec comme ça, moi. Je suis un mec, faut pas me chercher, moi. Oh là, Daniel. Il a son finish en plus, c'est ça le pire en fait, dans l'histoire. Le pire c'est ça qui me fait plus peur, c'est son finish en fait. Parce que si c'est son yes lock, je suis foutu. Bon, j'attends sur le ring, je vais remonter sur le ring, j'attends sur le ring. Il a 6. Son finish, faut faire attention quand même, ça peut être le coup de genou aussi. Hein. Si c'est coup de genou, je suis foutu par contre. Non, Daniel. Voilà, c'est bon. Remonte sur le ring, merde. Allez, c'est bon, je le place. Boum, voilà, c'est bon, terminé.
Terminé. Et 1. Et 2. Et 3. C'est bon. Ouf, on a battu Daniel Ryan. Eh ben dis donc, c'était chaud, hein. Oh là là, fallait pas qu'il passe son finish, hein, c'était foutu. Et la souplesse là, elle est belle celle-là. Oh, franchement, elle était belle celle-là. Oh, belle souplesse, franchement, rien à dire. Je suis tombé derrière. Et heureusement qu'il y a eu le score bomb à la fin. Ah, je m'en sors plutôt bien. C'est qui? Oh non, pas lui! Oh là là, le bougre! Oh le mec! Oh le mec! Ah l'enfoiré! Ah l'enfoiré! Ah, il me tue avec la chaise! Aïe 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 aïe! Aïe aïe aïe, je suis en train de me faire démolir, les amis là! Oh là là, je me fais tuer! Ah, je me fais découper! C'est incroyable! Oh là là, il m'a démonté, les amis. Il m'a détruit l'anus. Le dos, pardon. Pourquoi l'anus? Ah, je me suis fait démonter. Je me suis fait démonter la gueule. C'est bien fait pour ma gueule en même temps. J'avais pas qu'à faire le malin avec John Cena. Voilà. Ouh, je me fais évacuer. Ouh, je suis évacué par soi encore, carrément. Ok. Sans pression, je suis évacué. Ok, bon bah voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 non. Oh là là, le bougre. Eh hey, mais je suis mort, arrête. Oh là là, il m'a démonté les amis. Des coups de chaise, il m'a descendu du brancard, il m'a pourri la gueule. C'était horrible les amis. Je pense que je suis blessé là. Là je pense que là je suis un peu blessé quand même là. Bon ben... Voilà comment se termine cette vidéo, attaque sur le brancard, tout ça, tout ça. Bon, c'est triste, hein. C'est triste de finir ainsi. Mais il fallait bien que ça se termine un jour. Coup de chaise, tout ça, tout ça. Voilà, il m'a mis mal. Hein. Il m'a mis extrêmement mal. Et on va connaître donc la suite de cette histoire, les amis, dans une prochaine vidéo. Peut-être augmenter un peu ça quand même, on sait jamais. Si j'ai un match avec une stipulation de soumission, peut-être mieux que j'ai les armes pour me défendre. Bon les amis, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Autant que moi, j'ai apprécié de vous le tourner. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien, on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure en mode carrière. Bye bye tout le monde, ciao.